Voilà. Bonjour Romain. Bonjour Pascal. Romain Gagnon, pour être complet, tu as eu l'occasion de venir échanger avec bienveillance sur ma chaîne Romain autour notamment d'un précédent tes livres paru en 2019 et l'homme créa Dieu à son image. Et puis en 2022, tu as écrit un livre que l'on pourrait aussi qualifier quelque part de polémique, mais extrêmement sourcé par ailleurs, intitulé Vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Et cette fois-ci, tu nous reviens en 2023 avec un nouveau et dernier livre, La biologie de l'amour, explication évolutionniste des mécanismes amoureux. Donc voilà, je le présente. L'image nous donne déjà peut-être, j'ai envie de dire, une clé de lecture de ce qu'est l'amour et d'où plutôt vient l'amour en termes précisément d'évolution. Alors, avant de te donner la parole, je vois sur la quatrième couverture, mais c'est repris également dans la préface, ce livre ne prodigue pas de conseils conjugaux contrairement aux œuvres d'Yvon Dallaire, l'expert en la matière qui effectivement préface ton ouvrage. Ma vie étant une succession d'échecs amoureux, je serais bien malvenu de vous conseiller sur le sujet. Donc j'ai envie de dire, tu es clash et tu poses les choses de manière claire, limpide et peut-être aussi extrêmement lucide. Mais alors, puisque l'amour est si compliqué à vivre, Romain, pourquoi ce livre après tous les autres? Pourquoi aujourd'hui avoir écrit La biologie de l'amour? Parce que j'ai compris à un moment donné que les pires élèves faisaient les meilleurs professeurs. Comme je l'explique dans ma préface, j'ai appris cette leçon-là de mon professeur de mathématiques quand j'étais à l'école, au lycée. Donc, je me suis dit, j'étais bien placé pour pouvoir aider les gens, les jeunes surtout, à prévenir les erreurs que j'ai moi-même commises. T'sais. C'est ça. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits, outre ceux que j'ai cités. Il y a, si je puis dire, des ponts, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui est en filigrane pour toi extrêmement essentiel au point où tu souhaites revenir sur des aspects importants. Bien, c'est sûr que quand on regarde le titre de mes livres, on a l'impression que c'est tous des sujets différents, mais en réalité, quand on les lit, on se rend compte qu'il y a un fil conducteur entre tout ça, là, tu sais. Des éléments du livre actuel qui se retrouvent au chapitre 6 de mon livre, de mon essai spirituel et l'homme créa Dieu à son image. Il y a des éléments aussi qu'on retrouve, notamment, tu sais, le chapitre 5 de Vers l'abrutissement est détaillé, cette fois-ci dans le chapitre 9 et 10. Donc, il y a un fil conducteur, puis j'irais même jusqu'à dire qu'en fait, il y a un gros parallèle entre ce livre-là sur l'amour et le premier livre que j'ai écrit il y a 20 ans sur la nutrition. Je m'explique. Le fil conducteur de mon premier livre qui s'appelait Vive mince, gourmand et en santé, qui avait été d'ailleurs un grand succès à l'époque, autant au Québec qu'en Europe francophone. C'est que la sélection naturelle ou l'évolution avait optimisé notre système digestif à l'époque en fonction des conditions alimentaires qui prévalaient à l'époque paléolithique. Alors, aujourd'hui, comme la nourriture est fort différente de ce qui existait à l'époque, ben ça entraîne toutes sortes de problèmes de santé. J'en dirai pas plus long, mais au fond, le livre actuel, c'est un petit peu ça aussi. C'est que de la même manière, la sélection naturelle a optimisé nos mécanismes sentimentaux à une époque bien différente de celle d'aujourd'hui. En fait, la réalité sociale dans laquelle on vit aujourd'hui est très différente de l'époque paléolithique et ça cause toutes sortes de problèmes aussi. Puis en plus, ben, il y a une dimension culturelle qui s'ajoute à ça, culturelle, religieuse, qui vient brouiller les cartes, hein, t'sais. Alors, j'ai écrit ce livre-là un petit peu pour ramener les pendules à l'heure, tu sais, enlever un peu l'interférence que la religion et notre culture créent dans notre compréhension des mécanismes biologiques qui sont en arrière finalement de nos sentiments. Et on a la fausse impression, puis c'est très à la mode avec le postmoderniste, la mode woke, l'idéologie de genre, etc. On a l'impression que la culture détermine la sexualité, détermine les sentiments, etc., les orientations sexuelles, alors que j'estime que c'est complètement faux. T'sais. Il y a une réalité biologique incontournable
à nos orientations sexuelles, à nos sentiments, et pas juste nos sentiments envers nos conjoints, nos sentiments envers nos enfants, etc. Et c'est ça, l'essence du livre, c'est ça, c'est de ramener la réalité, la société, là, et arrêter de se faire, comme on dit en bon québécois, des accroires. C'est ça. Mais tu reparles d'ailleurs dans ce livre aussi, Romain, de l'idéologie du genre dont tu faisais déjà état dans un livre précédent, vers l'abrutissement de l'espèce humaine. Donc, de fait, je dirais, c'est un concept clé aussi pour comprendre et ne pas comprendre ce que signifie l'amour. Mais l'amour, évidemment, j'ai envie de dire, il est pour autant central dans la vie des êtres humains. J'ai envie de dire, si on enlève l'amour, qu'est-ce qui reste de suffisamment vital et essentiel pour donner sens à cette vie? Alors, même si l'amour est central, tu en parles évidemment dans ton livre. J'ai envie de dire, l'amour, il est central, mais en même temps, il est dans tous ses ébats ou dans tous ses états, c'est selon. Et donc, peut-être commençons par le début, c'est-à-dire l'introduction, d'autant plus qu'il s'agit d'un écrivain belge, donc ça me parle. L'écrivain belge Léo Bormans soutient que sans amour, 90% de nos livres, films, magazines et chansons disparaîtraient. Indéniablement, l'amour joue un rôle central dans notre existence et pourtant, il ne va pas très bien. Et tu cites effectivement des pourcentages. En termes évidemment de ben aussi de divorce, de problèmes sexuels, de manque de désir, de douleur pour la relation sexuelle. Enfin, c'est vrai que l'amour, par définition, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement vendeur, dont tous les magazines People évidemment parlent également. Et on a beau essayer de trouver des recettes pour essayer quelque part de savoir y faire en amour. Force est de constater que la réalité est beaucoup plus complexe. Oui, ben en fait, l'amour, c'est important. Je le nie pas. J'ai écrit même un livre sur le sujet. Mais les problèmes, pour justement, c'est ça le parallèle avec mon premier livre, les problèmes qu'on vit aujourd'hui sont peut-être liés au fait qu'on a une fausse compréhension des vrais mécanismes amoureux. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le bonheur humain est un moyen et non une fin pour la nature. Là, j'utilise l'expression de la nature. Okay? Je pourrais dire Dieu pour les croyants. C'est un anthropomorphisme que je vais me permettre d'utiliser aujourd'hui. Okay? Mais bien entendu, je ne crois pas que la nature a des intentions. Mais bon, c'est plus facile à dire de cette manière-là. Fait, pardonnez-moi cet anthropomorphisme-là aujourd'hui. Je vais utiliser souvent la nature. Donc, je disais que le bonheur, c'est un moyen et non une fin pour la nature. Et l'objectif de la sexualité, c'est la reproduction des gènes. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Si l'amour existe, l'amour n'existe pas pour l'amour. L'amour existe pour favoriser la reproduction des gènes. La nature veut qu'on reproduise nos gènes. De cette manière-là, la sélection naturelle s'opère. Les gènes les plus forts survivent et les autres meurent. Ça, c'est hein, Darwin 101. Il y a un phénomène qu'on appelle en biologie le dimorphisme sexuel, qu'on retrouve chez certaines espèces, okay? Très prononcé par exemple chez les gorilles, très peu prononcé chez d'autres espèces. Chez l'homme, le dimorphisme sexuel existe, n'est pas aussi prononcé que chez le gorille, mais il existe. Et ça fait en sorte que, autrefois, tout le moins à l'époque paléolithique, alors que toutes les femelles ou les femmes, les femelles humaines, les femmes se reproduisent, contribuaient à peu près également à la reproduction d'espèces. Les hommes ne contribuaient pas tous à la reproduction d'espèces, dans le sens que certains hommes qui contribuaient plus que leur part, puis d'autres ne se reproduisaient pas du tout. Ça, c'est une réalité qu'il faut voir. Une autre réalité aussi qui est très politiquement correcte, qu'il faut admettre, puis c'est les preuves scientifiques sont là, c'est que l'homme, est-ce que l'homme est plus intelligent que la femme? La réponse scientifique à cette question-là, c'est que non. En moyenne, mais là, il faut nuancer au niveau statistique. En moyenne, l'homme est aussi intelligent que la femme. Mais ce que les gens ignorent la plupart du temps, c'est que l'écart-type est très différent dans la distribution de l'intelligence chez l'homme et la femme. Autrement dit, l'écart-type est beaucoup plus élevé chez l'homme, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup plus d'idiots, de mâles idiots, mais il y a beaucoup plus de mâles génies aussi. Alors que les femmes, en général, moins d'idiotes, moins de génies, sont plus au centre.
Alors ça a forcément un impact dans les relations amoureuses et sexuelles, parce qu'autrefois, ben, ça l'accentuait aussi, d'autant plus le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les mâles les plus brillants se reproduisaient davantage, aux dépens de ceux qui étaient moins brillants. Alors, une autre réalité aussi biologique très importante, qu'on perd de vue souvent, c'est qu'une femme, dans toute sa vie, là, a peut-être une centaine de gamètes viables. Un homme, lui, peut produire jusqu'à 12 millions de gamètes par heure. Donc, on comprend que les gamètes de la femme sont beaucoup plus précieuses que celles des hommes. Et ça a un impact direct sur le comportement sexuel, les attirances sexuelles des femmes versus celles des hommes. Ça fait en sorte que hommes et femmes ont des stratégies bien différentes, tu sais, puis ont des puis ils ne sont pas attirés par les mêmes choses. Parce que la femme doit ménager ses gamètes. Quand je dis la femme doit faire ci, la femme doit faire ça, on se comprend bien que tout ça, c'est inconscient. OK? La femme, quand elle tombe en amour avec un homme, elle ne se dit pas, ah, je vais ménager mes gamètes. Il n'y a aucune femme qui dit, hein? Puis quand un homme regarde une femme puis la trouve sexy, il se dit pas, ah, elle a le bon ratio taille-hanche qui correspond à un indice de fertilité. Non, mais c'est ce qui arrive quand même. Les critères de beauté chez la femme, qu'on dit, que les woke aiment bien dire, associés au mode de l'heure, c'est tout faux, ça. On a testé ça chez des bébés. On ne peut pas dire que le bébé qui vient de naître, déjà, il est influencé par la culture, là. Non. Puis pourtant, avec des capteurs dans le cerveau, parce qu'à cet âge-là, ils ne peuvent pas parler, on a été monitorer la section du cerveau qui reconnaît la beauté. Puis on a été capable de confirmer que les critères de beauté, le fameux ratio taille-hanche, là, activent les mêmes sections du cerveau qui correspondent à l'esthétique chez les bébés que chez les hommes matures. Donc, la beauté, c'est mathématiques. OK? Les critères de beauté chez une femme, c'est mathématiques. Ça n'a rien à voir avec les modes. Puis je m'excuse, je vais me faire traiter de grossophobe, mais une femme qui est grosse n'attire pas les hommes. Maintenant, ça n'empêche pas qu'au niveau culturel, pour toutes sortes de raisons, tu sais, qu'il y a dans des sociétés pauvres où l'obésité correspondait à la richesse, il y a un facteur culturel qui embarquait par-dessus ça, qui venait créer de la distorsion dans ce phénomène de nature. Mais à la base, là, toute variable étant égale par ailleurs, les critères d'esthétique chez la femme n'ont pas changé depuis 12 000 ans. OK? Ça veut dire, Romain, qu'il n'y a pas du tout d'influence sur la manière, entre guillemets, de voir la femme modèle qui serait attirante pour l'homme, je dirais normal. Il n'y a pas certaines constantes qui sont liées justement à une influence culturelle, la publicité, etc., quand même, a aussi Bien un sûr. impact, non? Bien sûr, Pascal, qu'il y en a. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis que à la base, c'est la même chose. Maintenant, c'est sûr que la culture s'additionne par-dessus notre biologie. On n'est pas juste des êtres biologiques, on est des êtres culturels et biologiques. Mais ça, c'est arbitraire. Ça varie d'une culture à l'autre. Il y a certaines cultures qui ont fait la promotion de l'obésité. C'est l'exemple que je donnais avant. Au Moyen Âge, c'était à la mode chez certaines populations autochtones aussi. Puis certaines cultures, comme des années 70, 80, ou en Amérique, ou au contraire, tu sais, l'obésité n'était pas valorisée. Alors, c'est sûr qu'il y a des variances culturelles dans le temps, mais ça, c'est arbitraire, ça varie selon l'époque, ça varie selon la géographie. Mais ce qui est commun à toutes les cultures, la base, le fondement, lui, c'est le même à travers les époques et à travers les géographies. Et on voit aussi, Romain, que la façon finalement de concevoir l'amour entre un homme et une femme qui prend je dirais l'initiative aussi d'entamer une relation amoureuse, on voit que tout ça quelque part est extrêmement aussi bouleversé par la culture, par l'émancipation aussi de la femme. Quelque part, si le patriarcat recule, la femme peut aussi davantage faire état de ses propres désirs. On le voit notamment à travers des applications, évidemment, qui permettent justement d'entrer en lien avec une personne du même sexe ou d'un autre sexe. Et les femmes, évidemment, ont la possibilité aussi d'user de ces applications et du coup de prendre l'initiative du choix et du rendez-vous.
Effectivement, il y a toutes sortes d'influences. La religion, par exemple. La religion a un gros, gros impact sur ce qui était socialement perçu comme étant admissible, inadmissible des relations de couple. Puis notre société a pris le relais là-dessus, même si dans certains pays occidentaux, la religion joue un rôle moins important. La société a des préjugés importants sur ce qui est admis, ce qui est socialement acceptable. Mais avant d'aller là, permets-moi, si tu le veux bien, de réviser ensemble les concepts que j'apporte dans mon livre au sujet de l'attraction sexuelle. Okay? Commençons par l'homme, là. Par la femme, disons. La femme, à l'époque paléolithique, était attirée sexuellement par les vieux, les bons chasseurs, les bons guerriers et les chefs de tribu. Et la raison était simple, c'est qu'il faut comprendre que les temps étaient difficiles à l'époque paléolithique. Une femme qui tombait enceinte, là, prenait un gros risque. Pas juste pour la vie de ses enfants, mais sa propre vie, là, t'sais. Donc, pour elle, pourquoi une femme à l'époque paléolithique était attirée par un vieux? Ben, pour la même raison que j'observe depuis des années. Moi, je suis chasseur, je chasse notamment le chevreuil, puis j'observe dans la nature que les jeunes bocs, chevreuils, les jeunes mâles qui essayent de draguer les biches, là, ils n'ont pas de succès. Les biches vont être attirées par leur vieux mâle. Et puis, dans la nature, ben, on identifie les mâles par le nombre de pointes qu'ils ont sur leur bois. T'sais. Alors, plus un mâle a de pointes, c'est-à-dire plus qu'il y a d'années. Et puis, plus ils ont un gros panache, ben, plus ils sont vieux, puis plus les femmes sont attirées, les femelles. Et la raison est simple, c'est que l'équation est directe, c'est que plus il est vieux, il y a une corrélation entre l'âge du chevreuil et la qualité de ses gènes. Parce que s'il y a des mauvais gènes, les chances sont qu'il va mourir plus jeune. Donc, c'est ça qui attire les femelles chez les vieux mâles. Les bons chasseurs, pourquoi les bons chasseurs? Parce que c'est bien évident que si pour mettre au monde la femme à l'époque, c'est pour mettre au monde une progéniture, elle veut que son mari, en guillemets, soit capable de nourrir, de la nourrir elle, de la nourrir ses enfants. Donc, un bon chasseur, c'est bien connu à l'époque, les chasseurs avaient plus de faveurs sexuelles que les moins bons chasseurs. Les bons guerriers et les chefs de tribu, le pouvoir, c'est un aphrodisiaque incroyable pour les femmes. Kissinger le dit avant moi. Donc, aujourd'hui, comment ça se traduit, ça, aujourd'hui? Je pense pas que le fait d'être un bon chasseur aujourd'hui, ça soit un facteur déterminant dans l'attirance sexuelle, mais bon chasseur aujourd'hui, traduit, ça veut dire homme riche. Un homme riche va être plus en mesure de nourrir, de prendre soin de sa femme et de sa progéniture. Et les chefs de tribu, aujourd'hui, traduit, c'est homme de pouvoir, donc homme politique. Quant aux vieux, ça, c'est moins à la mode. Quoique dans certaines civilisations, comme au Liban, par exemple, il y a un gros écart d'âge en général entre les hommes et les femmes. Mais disons que c'est un critère qui est moins valorisé dans la société occidentale. Et les femmes, faute de pouvoir trouver un homme riche ou puissant, ben, ils vont rechercher des hommes qui ont des qualités parentales. Parce qu'un homme qui a des qualités parentales va prendre soin de ses enfants. C'est bien connu qu'en général, les hommes, ben, plus ils sont riches, plus ils sont puissants, plus c'est facile pour eux de charmer, moins ils vont s'occuper aussi d'une corrélation qui existe. En sciences sociales, ce n'est pas des règles absolues, c'est des corrélations, mais une corrélation qui existe. Les hommes les plus puissants s'occupent en général moins de leurs enfants. Donc, c'est un peu la stratégie de la femme et incidemment de l'homme aussi, là. Fait que, donc, la femme, au départ, va chercher un homme qui a des qualités parentales pour pouvoir fonder une famille. Mais ce qui est triste, c'est qu'avec les années, sa libido va diminuer. Mais par contre, si une femme rencontre un homme riche ou puissant, qui carrément a juste des intérêts sexuels, là, a juste des intérêts pour une relation court terme avec elle, elle va être entichée d'un homme comme ça, et elle va être infidèle souvent.
Et les statistiques sont là, même aujourd'hui, même la société musulmane, 10% des enfants ne proviennent pas du père de famille. Alors ça, c'est une réalité qu'on veut garder cachée, qui a toujours existé. Les curés en savent quelque chose, parce que la femme à l'époque allait se confesser au curé. Elle était convaincue que le diable s'était emparé d'elle. Mais c'est pas le diable qui s'est emparé d'elle, c'est la biologie. Pourquoi? Parce que la biologie veut de la diversité génétique aussi. Première priorité pour la femme, c'est de fonder un foyer pour protéger sa progéniture. La deuxième priorité, c'est faire de la diversification génétique. Pourquoi? Pour la même raison qu'on diversifie notre portefeuille à la bourse. Quand tu as un portefeuille à la bourse, tu ne mets pas tout ton argent dans les mêmes titres. Tu diversifies ton argent sur plusieurs titres. Comme ça, s'il y a un titre qui tombe, ben, tu ne perds pas tout. Ben, la nature applique la même logique de gestion des portefeuilles boursiers, là, applique la même logique aux gènes. Évidemment, tout ça, c'est inconscient, encore une fois. La femme qui tombe éperdument amoureuse du ministre qu'elle vient de rencontrer, qui couche avec, n'est pas en train de se dire dans sa tête, je suis en train de diversifier mes gènes. Carrément, je veux dire, la biologie prend le contrôle sur elle, tu sais. Et à l'époque où la religion était forte, ben, c'est sûr que cette femme-là allait se confesser après. Elle était convaincue que c'est le diable qui s'est emparé d'elle momentanément. Oui. Bon, maintenant, la relation, évidemment, peut se faire de manière plus ou moins inconsciente, comme tu dis, et quelque part derrière, il y a les gens qui sont à l'œuvre, et puis évidemment, il y a quand même tous les cas où finalement, en conscience, on se met avec une personne parce que de fait, elle est riche, même si quelque part, elle n'est pas extrêmement charmeuse. Et tu en parles dans ton livre également, et il y a cette image-ci qui est assez évocatrice. Sur la question, donc en une image, l'homme qui dit tu es marrante, et puis elle qui pense toi aussi tu es marrante. Donc, Marrante avec un espace entre les deux. voilà, Rente. Donc, c'est pas forcément un cliché, c'est aussi une réalité. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a, évidemment, si j'ai envie de dire entre guillemets, on s'en tient aux gènes, c'est vrai qu'on peut évidemment encore se demander où elle. La question du libre arbitre, parce que très souvent on se dit, mais je t'ai choisi, c'est pas un hasard. Il y a un chapitre précisément où tu déconstruis ce fameux libre arbitre en disant l'illusion du libre arbitre. Et ça commence comme ceci: le système judiciaire et les religions ou traditionnelles adhèrent fermement au concept de libre arbitre, considérant par exemple que la perpétration d'un crime est toujours un acte volontaire. Donc c'est vrai que la réalité forcément est plus nuancée, mais du coup c'est vrai que ça peut être extrêmement difficile à vivre aussi quelque part, de se rendre compte que finalement si on décortique une relation amoureuse, on peut se dire mais qu'est-ce qui reste réellement de l'amour, qu'est-ce qui reste du charme de l'amour, un petit peu le côté magique, le sortilège, le côté un peu évanescent qui fait qu'il y a quelque chose qui passe entre deux êtres, et on a l'impression enfin que ce quelque chose justement il est au-delà du biologique, c'est lui, c'est pas un autre, parce qu'il y a quelque chose qui Moi, me parle en lui. le libre arbitre chez moi, c'est un sujet de prédilection. Comme tu sais, j'en parlais déjà dans mon livre et l'homme créa Dieu à son image. Ouais. Et je ramène le concept ici. Ouais, C'est bien il y a des évident que ponts. celui, l'homme qui prépare un vol de banque, puis qui met des mois à préparer son coup, etc., avec des associés, etc., ça, c'est du libre arbitre. Je pense qu'il ne peut pas invoquer que ces sentiments qui ont été manipulés par la biologie. Là. Ça, c'est carrément du libre arbitre, mais l'homme, hélas, souvent des causes de violence conjugale, c'est pas le même libre arbitre. Là. Souvent, le coup part, puis il n'a pas été réfléchi, il n'a pas été prémédité. Tu sais, c'est la biologie s'est emparée de l'homme. Ça m'amène au sujet de la jalousie, parce que cette différence-là entre les hommes et les femmes se manifeste aussi dans la jalousie. Puis on a réussi à trouver dans le cerveau humain d'où provenait la jalousie, parce qu'on a volontairement, on a mis des scanners dans le cerveau, puis par IRM, par exemple, puis on a scanné le cerveau,
Puis en même temps, on montrait des images vidéo qui suscitaient la jalousie. T'sais. On l'a fait sur des gorilles, on l'a fait sur des humains. Et on est venu à déterminer chez l'homme et chez la femme quelle zone du cerveau est activée quand la personne est jalouse. Et on s'est rendu compte deux choses fascinantes. D'abord, chez l'homme et la femme, c'est à deux places complètement différentes. L'homme, c'est dans le cerveau limbique et la femme, c'est dans le néocortex. Donc, la jalousie de la femme, c'est une jalousie qui est beaucoup plus réfléchie. La jalousie chez l'homme, c'est beaucoup plus animal. Et de fait, l'autre chose qu'on a découvert, c'est que quand on prend un macaque rhésus, parce que c'est là-dessus qu'on a fait nos tests, c'est dans la même zone du cerveau. Autrement dit, la jalousie chez l'homme n'a pas évolué depuis des millions d'années. C'est quelque chose qui est dans le cerveau limbique. Je vous rappelle que le cerveau limbique, on le partage avec les autres mammifères. Donc, l'homme est supérieur à cause de son néocortex, hein, pas à cause de son cerveau limbique. La plupart des émotions, la colère, la peur, tout ça, ce n'est pas une invention de l'homme. Hein. Les mammifères partagent ces émotions-là avec nous. Alors, donc, chez l'homme, ce qui va attiser la jalousie, c'est le fait que sa conjointe a des relations sexuelles avec un autre. Et la raison, en arrière, encore une fois, raison inconsciente, c'est que l'homme investit dans l'éducation de sa progéniture. La chose qu'il ne veut pas faire, c'est élever la progéniture d'un autre. D'un point de vue évolutif, là, ça, quand un homme s'occupe de ses enfants, il favorise la reproduction de ses gènes parce qu'il augmente les probabilités que ses enfants survivent. Et ses enfants sont porteurs de ces gènes. Mais si un homme élève les enfants d'un autre sans le savoir, là, il accomplit plus sa tâche évolutionniste. Et c'est ça qui rend furieux un homme. Et c'est pour ça que certains hommes jaloux ont tué leur femme. Puis il y en a qui malheureusement tuent leurs enfants. Si je raconte tout ça, c'est pas pour essayer de justifier l'injustifiable, mais c'est d'essayer de prévenir. Quand on comprend mieux les mécanismes, il faudrait que le système judiciaire arrête de faire l'hypocrite, se sorte la tête du sort, puis regarde la réalité en face. Et là, quand on regarde la réalité telle qu'elle est, peut-être qu'on va être plus efficace pour prévenir ces drames conjugaux-là, tu sais. Mais tant qu'on va se faire à croire que la violence conjugale est un phénomène moderne dû à une masculinité toxique et toutes sortes d'inventions bidons comme ça, on passe à côté. Tu sais, c'est comme en médecine, un principe fondamental. Avant d'administrer un médicament, on commence par diagnostiquer le problème. Mais notre système judiciaire administre un médicament sans comprendre la source du problème. Donc, administre le mauvais médicament et ça ne fonctionne pas. On le voit, la violence conjugale n'est pas éradiquée. Au contraire, elle s'amplifie. Et souvent, les médicaments que le gouvernement, le système judiciaire apporte accentuent le problème au lieu de le régler. La femme, de son côté, elle, ce qui la rend jalouse, bien sûr, la femme n'apprécie pas que son homme ait des relations sexuelles avec un autre, mais ce qui stimule le plus la jalousie chez la femme, c'est l'insécurité matérielle que ça engendre. La femme, elle va poser la question, es-tu amoureux d'elle? Parce que s'il est amoureux d'elle, de l'autre, ben il va partager ses ressources avec l'autre, puis éventuellement peut-être même donner ses ressources au complet à l'autre. Alors, ça crée un stress matériel. Puis rappelez-vous toujours, la femme, elle, c'est une éternelle insécure sur le plan matériel parce que, pour des bonnes raisons, rappelez-vous à l'époque paléolithique, quand une femme tombe enceinte à cette époque-là, c'était très stressant là, d'un point de vue matériel. Et ça, même si on n'est plus à l'époque paléolithique, il faut comprendre une chose, puis ça tout le monde oublie. Nos gènes n'ont pas changé. C'est pas parce que notre environnement social a changé que nous, à l'intérieur, nos mécanismes sont différents. Ça n'a pas changé. Très, très, très peu. On voit des petites différences. Par exemple, les Amérindiens tolèrent beaucoup moins l'alcool qu'un Occidental caucasien. Fait qu'il y a eu de un petit entraînement un peu. Sur 12 000 ans, là, il y a eu de l'entraînement avec l'alcool, par exemple. Le sucre est un autre exemple. Tu sais, la même chose encore. Les Amérindiens mangent du sucre, ils engraissent instantanément. C'est le cas des Américains aussi, mais dans une moindre mesure déjà. Bref, je ne dis pas qu'il y a zéro différence, il y a eu zéro évolution génétique depuis 12 000 ans, mais il n'y en a pas eu tant que ça.
Fait qu'il faut toujours se garder à l'esprit que les mécanismes là, derrière les sentiments, eux autres, là, ils n'ont pas évolué. Maintenant, évidemment, le fait de se retrouver dans une société dite moderne nous sociabilise quand même aussi, et finalement, nos instincts, quelque part, sont davantage domestiqués, parce qu'on ne peut pas quand même, Romain, justifier, entre guillemets, en tout cas pas en totalité, les violences, par exemple, des hommes sur les femmes uniquement en disant c'est la biologie, parce que ce serait aussi une façon évidemment de déresponsabiliser quelque part l'homme en disant vous voyez c'est la biologie, je n'y suis pour rien. C'est un petit peu quelque part ce que les masculinistes proposent un petit peu comme vision, je dirais, altérée des relations des couples hommes-femmes, c'est de dire finalement que les femmes sont responsables de tout et que si quelque part elles sont victimes des hommes, c'est parce que précisément elles l'ont bien voulu, elles l'ont cherché, ou qu'au contraire c'est parce que finalement l'homme ne peut pas faire autrement avec ce qu'il est sur le plan Non. biologique. Donc là aussi, il faut quand même être extrêmement important, C'est parce extrêmement que c'est évident, là. précis. C'est évident, là, qu'on comprenne bien, là. Je suis pas en Oui, train mais c'est important d'expliquer justement l'aberrance, de là. bien se comprendre, parce que c'est Moi, ce vrai que que le je dis, féminicide, c'est c'est quand que. même un aspect extrêmement malheureusement Ouais. important. On a vu aussi le mot MeToo, etc. Donc je veux dire, à un moment donné, il y a aussi une prise de conscience que la société doit avoir pour se rendre compte que le patriarcat est toxique quand même, et que de fait, il y a moyen quelque part de corriger le tir si on cesse simplement de se dire c'est comme ça ne change pas, ça ne veut pas changer, et c'est aussi une façon d'arriver dans le pouvoir sur l'autre, ici en particulier sur la femme, que de dire on est ensemble et ensemble on est dans un mouvement qui un corpus quelque part qui est au pouvoir et qui légitime du coup le rapport de force, alors que ce n'est pas obligé en fait. C'est plus facile évidemment d'être au pouvoir et de ne pas avoir à dialoguer, à discuter, mais c'est un choix aussi et qui ne s'explique pas spécialement et uniquement par la biologie. En fait, comme je l'ai dit tantôt, pour poser, pour prescrire le bon médicament, il faut faire un bon diagnostic. Tant qu'on ne regardera pas la source du problème en face, on va poser des mauvais diagnostics puis on va prescrire les mauvais médicaments. On dit que l'homme est le sexe fort, ben c'est vrai physiquement, on voit des compétitions sportives, mais sur le plan psychologique, la réalité, c'est que l'homme est le sexe faible. La réalité, c'est qu'une rupture amoureuse affecte beaucoup plus un homme qu'une femme. Je vais vous donner des chiffres au Québec. Au Québec, on dénombre, à raison, 20 féminicides par année. Mais ce qu'on ne parle jamais, par exemple, ce dont les médias ne parlent jamais, c'est que 800 hommes par année, bon an, mal an, se suicident suite à une rupture amoureuse. On fait tout un cas des adolescents qui se suicident. Pourtant, le taux de suicide chez les adolescents est de 15 sur 100 000. Mais chez les hommes divorcés, le taux de suicide est de 120 sur 100 000. Pourtant, 90 % des ressources sociales sont attribuées aux femmes au Québec, 10 % seulement aux hommes. Si on attribuait les bonnes ressources, on ferait d'une pierre deux coups. On éviterait des suicides en partant. J'ai entendu des féministes dire, tu ne peux pas comparer des meurtres avec des suicides. Ils décident de se suicider, c'est leur décision. Ben non, ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas un homme qui décide froidement de se suicider. Un homme qui décide de se suicider, il est mal dans sa peau, il n'est pas bien, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une action réfléchie. C'est ridicule de dire une chose comme ça, là. De la même manière que l'homme qui tue sa femme qui aime non plus, ce n'est pas réfléchi. Un homme qui n'aime pas, on entend souvent le discours féministe, néo-féministe surtout, ah ben il l'a tué, il ne l'aimait pas. C'est faux. L'inverse de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Un homme qui est indifférent ne tuera pas. Pourquoi qu'un homme tuerait une personne, puis se mettrait dans le trouble, passerait le restant de ses jours en prison? Ben non, c'est pas logique. Tuer, c'est pas logique. Donc, pour que qu'un homme ou une femme pose un geste si peu logique, c'est parce qu'il est complètement troublé dans sa tête. Ben, qu'il soit troublé pour faire un meurtre, qu'il soit troublé pour se tuer soi-même, résultat est le même, on perd une vie humaine. Sachant ça, ce que notre société devrait faire, c'est que dès qu'on annonce un divorce, tout de suite, les services sociaux devraient débarquer, faire une évaluation psychologique de l'homme. On préviendrait non seulement son suicide, mais on préviendrait des féminicides aussi.
parce qu'on pourrait récolter des indices. On a des modèles mathématiques là-dessus, là, psychométriques, qu'on est capable de mesurer la propension à la violence. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu ici. Parce que souvent, quand ça dégringole au niveau conjugal, ça dégringole au niveau professionnel, tout s'enchaîne. Puis nous autres, le remède qu'on a trouvé dans notre société, dès qu'il y a une moindre apparence de violence conjugale, ben on fout le gars en prison. Ah non, mais ça, c'est jeter de l'huile sur le feu. Parce que le type, il se retrouve entouré de criminels en prison. Au moment de sa vie où il a le plus besoin de réconfort, de thérapie, puis du soutien de ses amis, parce que le gars va pas bien, on le met en prison. On l'entoure de criminels qui lui disent: «Alors, tu devrais aller la buter, ta salope.» Oui, Bon. c'est vrai que la prison n'est pas forcément, enfin, loin s'en faut, une solution, évidemment, surtout quand on songe au fait que normalement, un jour ou l'autre, il ressort. Donc, si rien n'a été mis en place, la sortie ne va rien résoudre si de fait il n'y a pas eu en amont un travail psychologique qui a pu être Qu'on effectué. comprenne bien encore, là, le gars qui a planifié son vol de banque, là, lui, il mérite la prison. Hein, il n'y a pas de doute. Mais c'est un peu ridicule dans notre société qu'on traite un pied d'égalité, un criminel de carrière, avec récidive, d'un homme qui a un dossier juridique complètement propre, puis qui, à un moment donné, dans sa vie, par les pédales, par le contrôle, OK? Suite à une rupture. Encore une fois, qu'on se comprenne bien, je ne suis pas en train de justifier l'injustifiable. La violence n'est pas justifiable. Mais il faut comprendre que la victime là-dedans, ce n'est pas juste la victime au sens criminel. Dans ce cas-ci, la victime, c'est également l'homme qui pose le geste Donc, il y a aussi de une violence. question de proportionnalité, évidemment. Ôter la vie à un être humain, c'est quand même évidemment extrêmement radical. Dire simplement je lui ôte la vie par amour, c'est évidemment aussi, j'ai envie de dire, complètement inaudit, parce que quelque part, ce sont des personnes aussi qui souvent ont sans cela, je dirais, des troubles de la personnalité qui font qu'en réalité, l'autre n'est jamais qu'un objet. Une excroissance de soi-même que l'on veut posséder comme un peu un tableau de chasse où finalement on accumule ses trophées et puis si le trophée nous échappe effectivement l'orgueil mage, j'ai envie de dire prend le dessus et puis ça entre guillemets ça déborde et on veut se venger donc c'est là, évidemment, il y a quelque part un problème qui est lié à l'individu et qui n'est pas lié, je dirais, au sens large à la biologie, que l'on pourrait, je dirais, appeler à la rescousse de façon transversale. Ça, on le sait parce qu'on l'entend tout le temps. Donc, ça ne sert à rien de le répéter. Je n'ai pas Non, écrit un mais livre quand même, pour c'est répéter ce qu'on entend important. partout. Oui, Moi, mais il j'écris faut être pour nuancé, donc c'est montrer important pour le moi. bout qu'on n'entend pas. T'sais. Oui, Il faut faire un mais tout en contre-mouvement. restant nuancé, parce que c'est important, Ouais. Romain, je pense que on ne peut pas évidemment ôter un aspect sous prétexte qu'on ne parle jamais des autres. Je pense qu'il faut toujours être C'est nuancé. clair. C'est clair, Pascal. Ouais. On ne s'obstine pas là-dessus. Là. C'est juste D'accord. d'avoir un portrait plus objectif, plus global de la situation. Encore Ouais. une fois, comme je l'ai dit dans mon livre, à l'âge que je suis rendu, je ne recommencerai pas ma vie, là. Sauf que si je suis capable d'éviter à des jeunes de reproduire les mêmes erreurs que j'ai commises dans ma vie, si je peux leur éviter des drames en comprenant mieux leurs pulsions sexuelles, ben tant mieux, j'aurai accompli quelque chose. Quand je Oui, mourrai, oui. je me sentirai fier de moi. J'aurais dit, bon, ben, j'aurais prévenu plusieurs drames conjugaux. Quand l'homme va se sentir envahi d'une colère extrême suite à après avoir trouvé sa femme dans le lit avec un autre homme, s'il a lu mon livre, il va peut-être se dire: «Oh, attention là, attention, je m'en vais chez le thérapeute tout de suite là.» Tu sais, peut-être. Oui, non, mais c'est Si vrai je que réussis, ils vont vivre 80% l'expérience du des temps. autres doit pouvoir effectivement servir et un livre par définition est là le cas échéant pour éclairer les esprits et aider effectivement d'autres à ne pas commettre les mêmes erreurs. Un autre exemple, Oui. Pascal, que je vais te donner, c'est que des fois, les gens se font laisser, hein, que ce soit un homme ou une femme. Puis dans la logique sociale actuelle, ben, on se culpabilise. On se dit, ben, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, t'sais? Puis on se culpabilise, puis on déprime, etc. Mais quand on lit mon livre, on se rend compte que même si on est correct, même si on fait tout correct, ça va arriver. La biologie étant ce qu'elle est,
Notre femme va nous tromper avec notre boss. Notre mari va nous tromper avec la serveuse. Ça va arriver. Une fois qu'on le comprend, on le prend moins personnel. En le prenant moins personnel, je ne dis pas que ça, on a réglé le problème. Je ne dis pas qu'on va avoir le sourire aux lèvres parce que notre conjoint nous a trompés, mais déjà, on va dédramatiser l'affaire. Oui, ça, je comprends tout à fait ce que tu Au lieu que dis. ça dérape dans un drame, Oui, oui, on va se oui, dire, ben, garde, c'est ça, hein? Gagnon oui. l'avait Oui, dit dans oui, son livre, ben, ça m'arrive. Hein? oui. Tout à fait. Mais là, on en revient quelque part à ce qui est censé être la norme. Et du coup, dès qu'on en sort, ça devient une catastrophe et on en fait un Ben, drame. C'est voilà. évidemment une sorte de formatage qui fait que là, c'est plus évidemment la façon dont la société voit les choses, juge, et donc du coup, il y a une sortie du rang et un côté un peu douloureux de la chose, qui n'est pas spécialement douloureux en soi, mais qui le devient du fait du contexte dans lequel la chose se passe. Alors je disais en off que ton livre, il y avait aussi quand même des moments un peu succulents, plutôt de assez humoristiques. Je voudrais quand même donner un exemple pour qu'on comprenne bien de quoi je parle, notamment lorsque tu parles de la reproduction des gènes, c'est le chapitre 5. Au printemps dernier, j'étais impatient de profiter de la première soirée assez douce pour faire cuire ma viande au barbecue sur ma terrasse en ville. Cependant, un événement a perturbé mes plans. Un étourneau avait construit son nid dans le barbecue. Pour cela, il avait transporté plusieurs kilos de paille en passant par un trou de la paille d'une pièce d'un dollar. Mon premier réflexe a été de tout nettoyer. Mais l'étourneau est arrivé, s'est posé sur le rebord du couvercle et m'a regardé droit dans les yeux. Il avait dû travailler dur pour construire son nid et attendait avec impatience d'impressionner une femelle pour la convaincre d'y pondre ses œufs. Par analogie, j'ai alors repensé au petit manoir que j'avais dessiné puis construit au Mont-Saint-Bruno à l'âge de 30 ans. J'avais également travaillé dur à l'époque pour convaincre ma femme d'y pondre ses œufs. Je me suis souvenu soudainement de ce que ressent un mâle qui perd son nid fraîchement construit. Par solidarité masculine, j'ai alors refermé le couvercle en me disant que mon premier barbecue pouvait bien attendre 2 mois de plus. C'est vrai, C'est hein? beau, la solidarité. J'ai mis la photo. Ah Pour que les gens oui. me croient, j'ai pris la photo, je l'ai mis dans le livre. Ça. Ah oui, mais je veux dire qu'effectivement, ça réveille un souvenir, je veux dire. Ah Ça oui. réveille un souvenir. Et donc, c'est un souvenir tout mignon. C'est beau de voir cette solidarité. Et effectivement, c'est l'enjeu quelque part derrière le mais, quoi. Je veux dire, c'est se rendre compte de fait du travail. Et là, quelque part, c'est pas parce qu'on est soi-disant plus évolué que les choses, je dirais, en amont se jouent différemment. Un autre aspect intéressant aussi sur lequel je voulais revenir, Romain, parce que justement, il y a ce qui s'explique le cachet de manière biologique et ce qui, le cas échéant, semble naturel aujourd'hui, mais ne l'est quelque part parce qu'il y a une construction sociale derrière, c'est le distinguo que tu fais, si je puis dire, entre l'homosexualité et le transgenrisme. Parce que l'homosexualité, effectivement, aussi, dans la société, elle était très mal vue très longtemps en disant que c'était des personnes déviantes, perverses, anormales. Puis finalement, la société évolue et on l'admet, scientifiquement, on peut aussi l'entendre, alors que la religion, elle, quelque part, est toujours un porte-à-faux en disant que l'homme était construit, évidemment, entre guillemets, voulu par Dieu, et que c'est donc forcément un homme et une femme, dans le sens justement de la reproduction, pour le coup, dans le sens où l'homme et la femme ont été voulus par Dieu pour se reproduire. Oui, encore une fois, sur ce sujet-là, comme bien d'autres, j'ai une position mitoyenne et j'ai des ennemis autant à droite qu'à gauche. Parce qu'à droite, on décrit tout ce qui est LGBT+, etc., incluant l'homosexualité. À gauche, on accepte tout ça. Ma position, moi, elle est différente. L'homosexualité a toujours existé, puis elle existe même chez d'autres animaux, notamment les primates. Si l'homosexualité avait été une erreur de la nature, parce que la nature crée des erreurs dans sa reproduction, là, quand il y a des mutations, là, il y a des mutations qui ne sont pas favorables. Okay? Alors, l'homosexualité est une mutation. Si l'homosexualité n'avait accompli aucun rôle biologique, la sélection naturelle aurait fait disparaître l'homosexualité. C'est une preuve par l'absurde.
Si l'homosexualité existe encore aujourd'hui, c'est que l'homosexualité joue un rôle biologique. Comme je l'explique dans mon livre, l'homosexualité, ça se mesure, hein, avec un scanner. C'est la taille du NIH3, une zone du cerveau. Puis on peut mesurer la propension à l'homosexualité. Il faut distinguer ici le génotype du phénotype. Mettons, on va mettre ça arbitrairement à une échelle de 0 à 10. Donc, il y a des hommes qui sont 0 d'homosexualité, des hommes qui ont 10. Ben, c'est facile, ceux qui ont 10 vont être homosexuels indépendant de la situation sociale, puis ceux qui ont 0 ne seront pas indépendants de la situation sociale. Par contre, ceux qui ont 5, leur phénotype, donc leur manifestation, leur orientation sexuelle de facto, va dépendre de la situation sociale. C'est une stratégie de la nature parce que, je l'ai dit tantôt, reportons-nous encore à l'époque paléolithique, avoir des enfants, c'est très taxant. Quand tout va bien, quand il y a de la nourriture en abondance, puis dans la nature, il y a des cycles, il y a des cycles d'abondance, il y a des cycles de disette. Quand il y a des cycles d'abondance, la meilleure stratégie, c'est de se reproduire. On se reproduit en masse. Puis quand ça commence, au contraire, il y a des cycles de disette. Là, la meilleure stratégie n'est pas de se reproduire. D'abord, moins se reproduire pour qu'avec les mêmes ressources, on mette peut-être moins d'enfants au monde, mais que ces enfants-là au moins survivent. C'est là que l'homosexualité joue un rôle. C'est un peu comme le portefeuille boursier de tantôt. C'est que les homosexuels allaient moins se reproduire et allaient plus survivre. Donc, parce qu'une femme qui, à l'époque, accouchait en série, mettait sa vie en danger. Puis si en plus il y avait une disette, ben, elle mourrait carrément. Donc, dans ce temps-là, dans des périodes de disette comme ça, ben, les femmes homosexuelles survivaient, avaient plus de chances de survivre. Puis dans des situations comme ça, les homosexuels jouent un rôle aussi social. Parce qu'il ne faut pas penser que reproduire ces gènes, c'est juste copuler. Par exemple, une grand-mère qui prend soin de ses petits-enfants, là, elle reproduit ses gènes. Pourquoi qu'elle reproduit ses gènes? Pourtant, elle n'est pas en train de faire l'amour, là. C'est parce que dans ses petits-enfants, il y a ses gènes. Si elle prend bien soin de ses petits-enfants pendant le temps que la mère travaille ou les parents ne sont pas disponibles, bien, elle augmente les chances de succès de ses petits-enfants. Donc, chances de succès de propagation de ses propres gènes. De la même manière, quand le mononcle homosexuel s'occupe de ses neveux, il fait la même chose, il reproduit ses gènes aussi. On le voit, ce phénomène-là, chez les loups, notamment. Dans une meute de loups, tu as le mâle alpha, la femelle alpha qui font la reproduction, puis il y a plein de loups autour qui prennent soin des louveteaux pendant le temps que les parents, les alpha, vont chasser, par exemple. Alors, ce phénomène-là, faut pas toujours ramener ça bêtement, reproduction des gènes égale copulation, là. Et c'est le phénomène aussi qui explique pourquoi, par exemple, on reçoit généralement, encore là, ce n'est pas des règles absolues. Tout ce qui est dans le social, ce n'est pas des règles absolues. Moi, dans mon domaine mathématique, 2 plus 2 font 4 tout le temps. Mais bon, là, on parle de corrélation. De façon, donc, on observe qu'en général, les grand-mères maternelles sont plus affectueuses que les grand-mères paternelles. Pourquoi ça? Bien parce que, comme on dit toujours, hein, la maternité, c'est un fait, mais la paternité, c'est un acte de foi. Fait que forcément, la grand-mère maternelle est pas mal sûre que ses petits-enfants portent ses gènes, donc elle va plus s'en occuper que la grand-mère maternelle paternelle, qui ne le sait pas. Évidemment, encore une fois, la grand-mère, surtout nos grand-mères d'autrefois, ne pensaient même pas en termes de gènes, mais c'est tout programmé dans la tête, tout ça, là, t'sais. Donc, oui, pour répondre à la question, l'homosexualité, c'est un phénomène qui existe, qui est biologique, qui est voulu par la nature. Par contre, tout le délire entourant l'idéologie de genre actuelle, ça, c'est ça. D'abord, c'est un phénomène qui est nouveau. C'est un phénomène qui va disparaître aussi. Hein. Le temps nous le dira. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Puis, honnêtement, il commence à avoir pas mal d'homosexuels dans notre société qui sont exaspérés des délires de l'idéologie de genre. Parce que, à quelque part,
ils sont associés à ça, puis il y a un divorce qui est en train de, les fameuses lettres LGBTQ là, sont en train de scinder en deux, là. LGB d'un côté et TQ plus de l'autre côté, là. Il y a une fracture dans le mouvement qui est en train de s'opérer, là. Fait que, on le voit de plus en plus, d'ailleurs. Puis d'ailleurs, il y a un chercheur britannique, dont j'oublie le nom, je le cite dans mon livre, qui a voulu donner une conférence sur ce sujet-là à Montréal, à l'Université McGill. Et puis les militants de l'idéologie de genre se sont assurés de faire la censure, hein, de le canceller, comme on dit. Puis il n'a jamais pu donner sa conférence. Hein, parce que ça dérange d'entendre des choses comme ça. Non, le sexe, c'est binaire. C'est déterminé par les gènes. Le sexe n'est pas assigné à la naissance, il est constaté à la naissance. Le genre, c'est autre chose. Le genre, c'est une construction sociale. Mais le genre, c'est arbitraire, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, une femme en France va porter des talons hauts. Mais Louis XIV en portait des talons hauts. Il n'était pas homosexuel pour autant. Aujourd'hui, le rose est associé aux femmes. Mais autrefois, c'est le bleu qui est associé aux femmes. Tout ça, c'est complètement arbitraire, c'est construction sociale. Je comprends que la femme en Iran, elle, elle a un problème. Ça ne tente pas nécessairement, elle, de porter le tchador, puis de faire le lavage, puis le ménage à la maison. Surtout si c'est une femme qui est pleine d'ambition, qui pourrait être banquière dans la vie ou femme d'affaires. Malheureusement, dans certains pays, le sexe détermine le genre. C'est-à-dire que, mais pas en Occident. Pas en Occident. Aujourd'hui, c'est pas parce que vous avez des seins que vous ne pouvez pas diriger une entreprise. Ça n'a aucun rapport. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'une femme se sent a un comportement qui ressemble, qu'on associe au genre masculin. Il faudrait qu'elle arrête d'être une femme pour autant. Ben non, elle peut continuer de rester une femme au sens biologique, au sens sexuel, et avoir un genre masculin. Elle n'est pas obligée d'aller se faire opérer pour ça, là. Elle ne sera pas plus crédible sans ses seins qu'avec ses seins, là, quand c'est le temps de diriger. C'est ça qui est le délire de l'heure, là. Puis, c'est malheureusement, aujourd'hui, on confond souvent le diagnostic de dysphorie de genre chez les adolescents avec des crises d'adolescence, simplement. Plusieurs femmes ont un malaise entre les seins et les pouces. C'est encore plus vrai aujourd'hui parce que pour toutes sortes de raisons qu'on comprend mal, qui sont peut-être liées à l'alimentation, peut-être liées aux pilules anticonceptionnelles, on ne sait pas trop. Les règles arrivent plus tôt. Au fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que la maturité physique arrive plus vite que la maturité intellectuelle, mentale. Et là, il y a un décalage. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une petite fille dans un corps de femme. Elle n'est pas à l'aise dans son corps de femme. Mais ça passe. Quand la femme, l'adolescente va vieillir, elle va finir par accepter son corps puis l'apprécier. Quand elle va commencer à s'intéresser aux hommes, puis qu'elle va comprendre l'effet que ses seins ont sur les hommes, elle va être bien contente de les avoir. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu as des thérapeutes voulant bien faire, c'est sûr. Tout le monde est bien intentionné. Hein? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ils mettent l'idée dans la tête que, ah non, elle est née dans le mauvais corps. L'adolescente y croit. Se fait charcuter, se fait arracher les seins pour découvrir, 5 ans plus tard, que c'est bel et bien une femme. Et là, elle regrette, là, parce qu'elle a des problèmes de santé. Imagine-toi, Pascal, on ne permet même pas dans la société à un mineur de boire de l'alcool, sous prétexte qu'il n'y a pas le jugement pour prendre une décision qui aura un impact sur sa santé plus tard. On s'entend-tu que une transition de genre, là, l'impact sur ta santé est pas mal plus grave que de boire de l'alcool à l'adolescence. Moi, j'en ai bu de l'alcool avant l'adolescence, puis je suis sûr que toi aussi. Puis regarde, on fonctionne encore bien aujourd'hui, là. Mais quelqu'un, là, qui a fait une dysphorie de genre, là, qui est obligé de, pour le restant de ses jours, là, condamné à prendre des pilules, là, t'sais. D'abord, ça devient un très bon client pour les pharmaceutiques. Et puis, il ne faut pas s'étonner non plus que beaucoup de militantistes, de lobbies pharmaceutiques en arrière de tout ce mouvement-là. Là, t'sais. Parce que ça fait belle affaire de. Il y a toujours un signe de pièce quelque part dans les histoires. Hein. Je pense que là, ça ne fait pas exception. Bref, mon résumé, c'est que
L'idéologie de genre, c'est une catastrophe sanitaire. Puis, à quelque part, je pose la question. Surtout en Iran, où est-ce que carrément l'État encourage les transitions de genre? Parce que l'homosexualité y est défendue. Je pose la question. L'idéologie de genre ne serait pas rendue le nouveau visage de l'homophobie? C'est une question que tu poses, effectivement. C'est une question qui est très pertinente. Ouais. Ce que tu appelais tantôt de patriarcat, là, mettons-y l'étiquette qu'on veut, la religion, whatever, qui dénonçait l'homosexualité, là, est-ce que c'est pas rendu justement la gauche qui accepte plus le fait qu'aujourd'hui, on peut avoir un corps d'homme puis être attiré par les hommes et vice-versa? Ce n'est pas obligé de changer de corps parce que l'orientation ne matche pas le sexe. Oui, c'est ça. Mais là, du coup, on en revient effectivement, Romain, à un aspect essentiel qui est la manière dont l'altérité est perçue par la société, la culture de façon générale. Je pense qu'il peut y avoir effectivement, du coup, une pression. Si un homme est efféminé, il sera peut-être effectivement plus ostracisé que si à un moment donné, il se dit, je vais changer de sexe, comme ça, au moins, mon ressenti profond va correspondre au physique que je vais avoir et je n'aurai plus à ce moment-là à me justifier, être en porte-à-faux ou avoir un regard malveillant sur ma personne. C'est vrai que, évidemment, c'est un petit peu comme les hommes qui mettent du bleu, les filles du rose. C'est vrai qu'évidemment, un homme, il est censé correspondre à un certain stéréotype. L'homme, c'est quelqu'un de viril, c'est quelqu'un qui sait prendre les choses en main, enfin voilà, et quelque part, si l'homme est sensible, si l'homme pleure, c'est plus des caractéristiques quelque part qui sont encore liées dans notre société, elle a de rien à ce qu'on attend d'une femme. Et donc, il y a une sorte de répartition des rôles qui fait que quelque part, un homme sensible, un homme que l'on retrouve même enfant plus régulièrement avec des jeunes filles parce que c'est quelque part naturellement il a envie plus d'avoir des relations avec des jeunes filles, ça peut être problématique pour la société qui voit ça d'un mauvais œil, ce qui crée aussi évidemment une pression et éventuellement un mal-être pour l'enfant qui n'a pas forcément envie de changer de sexe mais qui voit que sa façon d'être ne correspond pas au genre qui lui est attribué. Oui, et c'est ça qui est paradoxal, parce qu'à la fois, les militants de cette idéologie-là luttent contre les préjugés, les stéréotypes, mais en même temps, avec les transitions de genre, les encouragent à quelque part. C'est ça qui est incohérent. Je l'ai dit tantôt, quand on a parlé de violence conjugale, la réalité, c'est que sur le plan émotionnel, un homme est plus fragile. Pas vrai qu'un homme est solide puis tout au-dessus de ses sentiments, c'est faux. Une femme est beaucoup plus en contrôle de ses émotions, de ses sentiments qu'un homme. Alors, en partant, ça, c'est un stéréotype qui est faux. En partant, il y a des stéréotypes qui ne sont pas faux. OK? Par exemple, il y a toujours été, bien qu'à l'heure actuelle, là, il y a plus de finissants en droit et en médecine, de finissant, dis-je, que de finissant en droit et en médecine, que jamais dans l'histoire. La majorité des finissants en médecine aujourd'hui en droit, c'est des femmes. Mais en génie, ce n'est pas le cas. Il y a plus de femmes aujourd'hui en génie qu'il n'y en a jamais eu, mais c'est encore la faculté où tu as le moins de femmes. Et ce n'est pas un hasard. Comme l'exemple que je donne en Suède, la Suède est le pays probablement le moins sexiste au monde. Et c'est là où il y a plus de femmes infirmières en pourcentage, et c'est là où il y a plus d'hommes ingénieurs en pourcentage. Et il y a une raison biologique à ça. L'homme, de façon naturelle, statistiquement plus porté vers le génie, la femme vers l'infirmerie. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un homme, puis vous êtes un bon infirmier, que vous êtes une femme pour autant. C'est là que ça décroche, là. Moi, je connais des collègues à moi, des femmes qui sont d'excellentes ingénieurs. Je ne considère pas pour autant que c'est des hommes. Ce Oui, sont bien encore sûr. une fois des corrélations. Tu sais, je l'ai dit tantôt, en sciences sociales, il n'y a pas de règle absolue. Non, non, bien sûr. Mais c'est une assignation culturelle, sociétale, qui fait qu'à un moment donné, une femme doit a priori occuper telle place Voilà. dans la hiérarchie en termes de travail, etc. Alors que de fait, c'est pas du tout évidemment d'ordre biologique, mais
Prenons cet exemple-là. Par exemple, des conseils d'administration. Deux erreurs qu'on a commises. Autrefois, mais non, c'est pas à la place d'une femme un conseil d'administration. L'erreur d'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une parité. C'est une autre erreur. Non, il y aura pas de parité. Il faut pas qu'il y ait de parité. Si on fait de la parité, c'est du sexisme parce que de façon naturelle, il y a moins de femmes qui vont vouloir être conseil d'administration. Donc, je connais pas le chiffre magique. C'est-tu 20%? C'est-tu 30% de femmes qu'il faut qu'ils aient un conseil d'administration? Qu'importe. Le seul critère devrait être la compétence, point à la ligne. Ah oui, On ça s'en devient fout que passionnant. tu sois une femme, que tu sois un homme, que tu sois homosexuel, que tu sois efféminé. On s'en fout. Es-tu compétent? Là, malheureusement, pour corriger une injustice dans le passé, on crée une injustice aujourd'hui. On le fait avec les races. On le fait avec les sexes aussi. Il faut arrêter ça, là. La compétence doit être le seul critère objectif. Et après, observons, soyons humbles un petit peu, l'être humain, et observons le dessin de la biologie. Puis, si on met vraiment des critères sans discrimination à l'entrée, ben, observons qu'est-ce que la nature va décider. Puis la nature va nous donner sa réponse. Elle va nous dire, ben, regarde, le chiffre magique, c'est 35%. Apprenons le chiffre plutôt que de l'imposer. C'est Puis un propos. c'est là que je connecte avec le début. C'est là que je considère que souvent la culture est néfaste. Ça, c'est un exemple. Mais la culture est néfaste aussi. Prenons juste l'exemple des religions, là. Combien de femmes ont été porter leur enfant à leur féminin? Combien de ces enfants-là ont souffert à leur féminin, là? À cause de la culture. Parce que la religion, c'est de la culture. On va se dire les vraies choses, là. C'est rien d'autre que la culture. On se comprend, là. Dieu n'a rien à voir avec les religions, si Dieu existe. Alors, toute cette souffrance-là, là, est inutile à cause de la culture. À un moment donné, là, il faut décrocher de la culture. Rapproche, soyons plus scientifiques. S'il y a une chose que les penseurs des Lumières nous ont apporté, c'est bien ça. Mais malheureusement, avec le postmodernisme, on dirait qu'on est en train de retourner dans les ténèbres en ce moment-là. C'est un petit peu ce que tu relates de manière condensée ici dans ce chapitre en particulier, le dimorphisme sexuel, mais qui est relaté de manière, semble-t-il, effectivement précise, où tu écris ceci: contrairement aux enseignements des religions monothéistes, hommes et femmes possèdent une valeur biologique équivalente et complémentaire. Fort heureusement, le féminisme du XXe siècle a lutté efficacement contre cette misogynie désuète. Cependant, le féminisme bascule parfois dans l'idéalisme, car égalité ne signifie pas forcément symétrie. Cette affirmation est d'autant plus vraie pour certaines espèces que pour d'autres. C'est un peu le sens de ton propos, Romain. Oui, quand j'entends ça, ça me rappelle toujours que j'écris mieux que je parle. Non, mais tu parles très bien aussi, mais comme tu le disais un petit peu en haut, c'est vrai que parfois il y a des choses, en tout cas, qui sont peut-être plus faciles à exprimer dans un ouvrage, parce que d'abord, effectivement, on peut le réécrire, on peut le préciser, on renvoie à des sources aussi, ce qui fait que parfois ça peut être moins crispant pour un lecteur de lire un livre qu'éventuellement écouter un échange de ce type-ci. Mais en même temps, j'ai envie de dire, pour le coup, c'est peut-être aussi complémentaire, et que tout le monde ne lira pas ton livre, tout le monde ne nous écoutera pas non plus. Donc je pense que l'un complète très bien l'autre, et que c'est une façon aussi, quelque part, de donner l'envie, évidemment, d'acheter ton livre, même si, je dirais, quelque part, parler d'une réalité, c'est pas forcément évident, parce que ce sont des réalités complexes et qu'il y a beaucoup de biais cognitifs aussi qui sont quelque part plaqués sur ce que l'on pense savoir. Et quand on décortique effectivement les choses, on se rend compte que le biologique n'est pas forcément là où on pensait qu'il était, et le culturel n'est pas forcément là où on pensait qu'il était non plus. Donc il faut parfois un petit peu, je dirais, tirer les choses au clair, faire la part des choses, du vrai et du faux, et ça demande évidemment du temps, et de fait, c'est pas forcément toujours évident à verbaliser, je dirais, spontanément, mais je trouve que tu le fais très bien, et j'espère que ça donnera effectivement l'envie d'acheter ton livre, en me disant aussi quelque part que la biologie de l'amour, évidemment, c'est le titre du livre, et je pense qu'il faut pas non plus, évidemment, que ce soit mal compris, en ce sens que l'amour, avec toutes ses facettes, n'est pas réductible, pour le coup, à la biologie. Moi, je pense évidemment, quand on enlève la biologie,
Il n'en reste pas moins évidemment qu'il y a des personnes qui sont bienveillantes, empathiques, qui parviennent à rejoindre l'autre dans sa propre expérience, à se mettre à sa place, à se mettre au service. Éventuellement, il y a des situations dans lesquelles un être humain est prêt à se sacrifier pour un autre, par amour, par charité, on l'appellera comme on veut, et d'autres, effectivement, sauveront leur peau, et le cas échéant, entre deux personnes, effectivement, tueront l'autre pour sauver sa propre peau. Donc on voit bien que, en fonction des situations et en fonction d'une biologie a priori identique, les réactions des uns et des autres, en fonction aussi, j'imagine, de toute série de paramètres autres précisément, font qu'on n'a pas la même réaction face à une même situation. T'sais, Pascal, malgré le fait que j'ai écrit ce livre-là, je suis un grand romantique, malgré tout. Il J'avais compris. n'y a pas de contradiction. C'est ça, non, mais heureusement, parce que quelque part, c'est Puis, vrai que l'idée n'est pas de se dire que l'amour ne sert à rien, l'amour est éduqué à la biologie, et j'ai donc jamais chaque. dit que l'amour ne servait à rien, par Non, exemple. non, Moi, je non, mais dis. je suis en train de dire, Ouais. ne faisons pas effectivement cette confusion de penser que l'amour n'existe pas, que l'amour ne sert à rien, que l'amour se réduit à la biologie, et que finalement, chaque fois qu'on aime, chaque fois qu'on est généreux, charitable, bienveillant, on se dit, c'est une question, je dirais, de chimie, de biologie, et donc derrière tout ça, en réalité, il y a du vent. Il faut quand même donner un petit peu, je dirais, une sorte de corpus, un petit peu comme sur des os, il y a de la chair. Sur la biologie, il y a autre chose aussi. Au-delà de la biologie, il y a autre chose qui permet de faire en sorte qu'entre deux êtres humains, il y a un réel rapprochement, il y a une réelle bienveillance et il y a un sens qui est donné justement à la relation, autre qu'un sens purement biologique. C'est ça que je veux dire. Moi, pour moi, ça a été une forme, l'écriture de ce livre-là s'est avérée une forme d'autothérapie. Suite à mon deuxième divorce. Je pensais bien, en me mariant une deuxième fois, que je réussirais le coup cette fois-ci, mais non. Alors, écrire le livre, c'était une autothérapie parce que j'ai beau être un grand romantique, je suis aussi un ingénieur scientifique et il y avait un conflit énorme dans ma tête entre mes sentiments puis ma logique d'ingénieur. Puis, je voulais mettre ça au clair. Alors, je me suis mis à lire, comme tu as pu le voir, près de 400 références scientifiques dans ce livre-là. Donc, j'ai lu énormément et ça m'a permis de comprendre au moins pour moi, qu'est-ce qui s'était passé. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas l'écrire maintenant pour en faire bénéficier d'autres. Puis je sais bien qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le temps de lire. C'est plus à la mode de lire comme autrefois. Mais ben, si cette entrevue-là aujourd'hui fait en sorte que des gens vont lire le livre, ben je te remercie, Pascal. Ça va avoir été utile. Notre entrevue aurait été utile pour ça. Ben, je te remercie Romain d'avoir effectivement abordé tout cela avec beaucoup de, j'ai envie de dire, quelque part de légèreté et en même temps de sérieux. Et comme tu le disais, effectivement, ton livre, ce n'est pas simplement, entre guillemets, et même pas du tout, le point de vue d'une personne, mais de fait, c'est extrêmement sourcé. Et il y a aussi énormément d'humour. Et donc, je vais terminer, si tu veux bien, Romain, par une touche d'humour qui est cette touche qui est reprise dans l'avant-propos. Donc, ce sont en fait tes propres mots. Et tu dis ceci, au fait, ne prenez pas toujours mes propos au pied de la lettre, car certains passages de ce livre sont davantage humoristiques que scientifiques, mais comme l'adage le suggère, parfois, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Et donc, je pense effectivement que c'était aussi le sens de notre échange, avec cette part d'humour absolument indispensable, pour le coup, dans la vie et dans nos relations, amoureuses y compris. Je te remercie, Romain. Moi, je te remercie. À bientôt. J'espère.